Patrick Ozian, vous allez présenter Imprimeur dans le quintet de jeudi à Lyon-Paris. Qu'avez-vous pensé de sa première sortie pour votre entraînement? Ben écoutez, je pense que la distance était trop réduite pour lui, donc il est venu finir pesamment, mais bon, je pense que c'était trop court. Je l'avais d'ailleurs indiqué avant la course au journaliste d'Equidia qui m'avait demandé ce que je pensais. L'engagement au niveau des valeurs est bon, mais malheureusement, je pense que la distance est plus courte et c'est pour ça qu'on le rabouge là sur 2004. C'est qu'il a fait, de bonnes pertes entre 2004 et 2006. Bon, c'est un cheval en plus qui est bien connu dans les gros handicaps. Hein. Tout à fait, il a très bien couru sur 2600 mètres à comme on appelle ça là, dans le nord là. À Châteaubriand. Châteaubriand, il a un petit peu craqué pour finir, mais il s'est quand même assez bien comporté. Je pense que 2004, il est en pleine dans sa distance. D'accord, donc là, le 10 dans les boîtes, ça semble être un bon numéro. Absolument, pour lui. Absolument, c'est le meilleur numéro. C'est pas trop près, pas trop loin, on n'a pas cette année. Quand on a des numéros comme ça, on est enthousiaste. Donc, à vous entendre, il faut s'attendre à le voir faire une bonne performance. Alors. Absolument, le cheval est bien, il a bien travaillé, il va courir sa valeur. Voilà.